Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Shein. Commandez 4 pièces sur le site de Shein. 4 pièces un peu plus pour la rentrée. C'est bon, les petits shorts et les petits débardeurs, non merci. Je vais vous faire 4 looks avec ces pièces. Et je t'expliquerai en même temps les tailles et tout le tintouin. Tu connais pas cette expression? Tu vois, mets à la page. Allez, on y va, parce qu'on est venu pour ça, pour voir les habits. Alors, premier look, jean noir, t-shirt noir, petite basket blanche. Et la pièce que j'ai prise sur Shein, c'est ce petit teddy des familles. Tu vois, le petit manteau, le petit blouson qui va bien dans la demi-saison. Tu vois, quand tu sors de l'été, que tu rentres dans l'automne. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il a une petite... tu vois, un petit peu comme les nounours. Voilà, il est en nounours sur les manches. Une petite poche ici, une vraie poche, ça c'est pratique. Deux poches sur les côtés. La qualité elle est super bien ici, c'est un petit peu, tu vois, un petit peu laine. Pas laine, mais tu vois, c'est pas du coton. Voilà, petit col, super bien coupé. Donc là c'est un M. Sachant que là j'ai perdu pas mal de poids encore. Je fais un grand 38. Et en haut, je mets du M. Donc là, j'ai toutes mes commandes, tous les trucs que j'ai pris. J'ai pris du M sauf un pantalon, mais sur le site, il disait qu'il taillait petit, donc j'ai pris du L. Et c'est nickel. Donc là, j'ai pris ma taille. Tout va nickel. Chrome. Voilà, petit blouson qui passe bien, qui fait décontracter, mais avec la petite moumoute ici, je trouve que ça fait bien féminin. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Voilà où il arrive. Voilà. On adore. Deuxième look fait avec cette robe, mais que je chéris tellement, tellement elle est confortable. C'est une robe tricolore à manches courtes, comme un t-shirt en fait. Donc blanche, rose, noire. Sur le site, il y a cette couleur-ci. Ou alors ici, vous avez, au lieu que ce soit rose, c'est gris. Chiné, bon bah moi, je voulais du rose. Elle est tellement confortable et elle va avec tout. Donc là moi encore une fois je la mets avec mes skates bas. Elle est matière hyper fluide, hyper stretch, super belle, fendue ici. Voilà, elle est fendue à partir de là. Moi je fais 1m64 et elle est fendue à partir de la fin de mes cuisses. Voilà, donc sache-le si tu es plus grande ou plus petite que moi. Et elle m'arrive au milieu des mollets. Voilà, au milieu les mollets. Je la trouve tellement, tellement confortable avec une petite veste en jean, un petit foulard, ton sac et tu te tailles, t'es à l'aise pour toute la journée. Encore une fois, elle coûtait que dalle. J'adore le col qui est prêt du coup. Moi, je préfère les cols comme ça que les cols plus longs. Voilà, je sais pas, je préfère les cols comme ça. C'est une taille M. Et donc voilà, tu vois, je t'ai dit, je fais un grand 38 et tu vois, j'ai de la marge encore, tu vois. Voilà, je suis à l'aise. Elle est super confortable, la matière, elle est géniale. Et je précise que là, je vous fais le haul, je n'ai pas lavé les habits encore. Il n'y a aucune odeur de chimique et ça, on apprécie. Ensuite, alors, sache que cette robe, je vais la mettre avec des collants noirs. Là, j'ai pas mis de collant pour te montrer la coupe, parce que si je mets des collants noirs sur une robe noire, tu verras pas la coupe de la robe qui est magnifique. Je compte la mettre à gauche pour les fêtes de Noël, parce qu'elle est tellement confortable. Tu sais, les bons repas de famille où t'as le ventre qui explose en fin de repas, et ben dans cette robe, nickel. Donc je la mets avec mes Derbys rose poudrées que j'avais acheté, je crois, il y a à peu près 3-4 ans sur le site d'Asos qui sont des London Rebel je crois. Mais bon là ce qui nous intéresse c'est la robe. Donc c'est une robe col roulé dans une matière acrylique hyper confortable. C'est pas du tout le truc où tu sens que tu vas transpirer dedans. Non, elle est assez légère. Donc voilà le haut. Et à partir de là elle part évasée. Hop, tu vois que là elle est courte. Et là voilà la coupe. Tu vois,
Elle est hyper, hyper évasée derrière. Ça part un peu en queue de pie. Donc voilà, avec mes petites derbies. Et voilà, elle arrive à mi-cuisse devant. Donc moi, je la mettrai avec des collants noirs assez opaques. Voilà, petite veste de soirée avec et ça passe crème. Vraiment, vraiment, la matière, elle est géniale. Donc, je l'ai pris en M et elle taille impeccable. Tu vois, encore une fois, là, j'ai de la marge. Voilà. Moi, j'aime bien les cols roulés. Une légende qui dit que les personnes qui supportent pas les cols roulés, c'est qu'elles sont mortes, pendues dans une ancienne vie. Anecdote réjouissante de la vidéo. On adore. Oui, tu l'as vu le ralenti où j'ai failli foncer dans ma poubelle. On adore la classe. Alors, ma tenue préférée, qui est la tenue que j'ai intitulée Punky Brewster. Oui, c'est comme ça. C'est ce pantalon avec les bandes arc-en-ciel sur le côté. Voilà, donc ce pantalon, je l'ai pris en L. Il disait qu'il taillait très petit et bah, moi, ça va, tu vois. Là, je suis bien dedans, il ne moule pas. Enfin, il ne moule pas. Tu vois, j'ai de la place encore, quoi. Je suis pas hyper serrée dedans. Je l'adore, donc c'est un peu style legging, tu vois. Ça, en fait, j'ai une nouvelle installation. T'es accroché sur ma vitre avec des gel pads. Du coup, je peux pas trop bouger mon iPad, là. C'est un peu chiant. Mais tu vois, c'est acrylique. Voilà. Avec les bandes arc-en-ciel. On adore. Voilà, donc je le mets avec ma Converse rose et ma Converse bleue. Bien évidemment, parce que je copie Punky Brewster, qui est mon idole. Interstellaire, qui peut se mettre donc en total look noir. J'ai eu peur, c'est moi qui bouge dans mon micro-ondes, tu vois là. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, un ghost. Ou alors faire des rappels avec les couleurs des bandes. C'est comme tu veux, c'est ta taquise. Mais ça, voilà, tu peux le mettre, c'est un passe-partout quoi. Et t'es super bien dedans. Sache-le, si tu le commandes, prends une taille au-dessus de ce que tu prends habituellement. Voilà, j'ai reçu ces articles, ma foi, vraiment très très rapidement. Je suis encore une fois plus que ravie de ce site que je ne peux que vous recommander. Je n'ai pas d'action chez Shein, hein, donc voilà, je vous dis... honnêtement, ce que j'en pense. Rome, oui, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc, Shein, je vous dis ce que j'en pense. Moi, clairement, ça, c'est ma tenue confortable de la rentrée. Je l'adore. Dites-moi en commentaire, vous, quelle est votre tenue de la rentrée? Vous savez, quand on commence à virer toutes les tenues de l'été, quelle est la tenue qui vous a vraiment manqué et que vous avez trop hâte de reporter si ce n'est pas déjà fait? Je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mon rouge à lèvres est sans transfert, c'est le Smashbox. Voilà.